Salut à tous, c'est Colin du site Le Meilleur Café. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur l'entretien et le nettoyage de la Philips 2200. On va voir ensemble en détail comment détartrer la machine et comment dégraisser le bloc d'infusion à l'intérieur. Je vais vous expliquer dans cette vidéo ce que je fais pour prendre soin de la Philips 2200, ce que je fais tous les jours ou tous les deux jours, toutes les semaines, tous les mois, afin de garder ma machine dans le meilleur état possible en espérant qu'elle puisse durer le plus longtemps possible là aussi. Comme pour toutes les machines à grains, l'entretien est pas très compliqué, mais par contre il est important et c'est quelque chose qu'il faut pas oublier. Si vous voulez pas que du tartre et du calcaire se déposent à l'intérieur des circuits, ce qui risquerait d'être très mauvais. Et puis pour préserver le goût du café, on va aussi dégraisser la machine afin d'enlever l'huile rance qui peut venir donc nuire au goût de l'expresso. Pour bien nettoyer votre machine, ce que je vous conseille, c'est d'avoir des petits chiffons en microfibre. Évitez toute surface abrasive comme le mauvais côté d'une éponge par exemple, ou tout ce qui pourrait venir rayer le plastique, c'est en général assez fragile et donc ça se raye très facilement. Donc régulièrement je vais venir nettoyer la machine avec ce chiffon en microfibre, et ensuite tous les jours, si j'oublie pas, ou sinon tous les deux ou trois jours, je vais vider et nettoyer le bac de récupération. Alors ici on va vider le marc de café qui se trouve à l'intérieur ici du bac de récupération de café, et puis vider le bac de récupération des eaux usées. Une fois que c'est fini, toutes les semaines on va sortir le bloc d'infusion, on va aller le nettoyer et puis le remettre en place. Pour sortir le bloc d'infusion, il faut donc éteindre votre machine. On va ensuite sortir le réservoir d'eau qui est là. Derrière se trouve une petite trappe qu'on va ouvrir. Pour sortir le bloc d'infusion, on va appuyer sur le bouton push. Voilà. Une fois qu'il va être sorti, on va pouvoir le passer sous l'eau pour enlever donc tous les résidus de café, tout ce qui traîne un peu, toute l'huile, toute la vieille mouture de café. Ensuite, on le fera sécher. Et puis, tous les 2, 4 ou 6 mois, ça dépend un peu de l'utilisation, on va pouvoir regraisser les différentes parties du bloc d'infusion. Je ne veux pas trop m'étendre maintenant sur le nettoyage et sur l'entretien du bloc d'infusion. Je suis en train de vous préparer une autre vidéo plus spécifique là-dessus, où on verra aussi comment le lubrifier correctement. Donc toutes les semaines, une fois que ça c'est fait, vous pouvez le remettre à l'intérieur. Voilà comment on prend soin de sa machine toutes les semaines. Maintenant qu'on a fait ça, on va voir comment la détartrer. Et après le détartrage, on verra le dégraissage du bloc d'infusion. Pour le détartrage, on a besoin d'un récipient qui soit suffisamment gros, qu'on va venir placer ici, dessous la buse de café et la buse d'eau chaude. Et puis, il vous faut évidemment un détartrant. Donc là, j'ai du détartrant Seiko. Seiko et Philips, c'est la même marque, c'est la même chose. Le manuel d'utilisation de la Philips va nous obliger à utiliser le détartrant de la marque sous peine de faire sauter la garantie. Évidemment, on peut se poser la question, quelle est la différence entre un détartrant Philips, le Cocalc de De'Longhi ou d'autres détartrants qui sont faits spécifiquement pour les machines à grains. Ici, je vous laisse libre juge d'utiliser ce que vous voulez. Par contre, il y a une chose qu'il ne faut pas faire, et c'est aussi recommandé fortement dans le guide, c'est d'utiliser du vinaigre blanc ou d'autres types d'acides qui peuvent être corrosifs et qui ne sont pas bons pour les machines. Mais ici, on va utiliser donc le détartrant de la marque, qui provient en petite bouteille comme ça de 250 ml. Une fois que vous avez ça, on va pouvoir lancer le cycle. Première chose à faire, c'est d'enlever le Latego si vous avez une machine Latego. Et puis autre chose, ne pas oublier d'enlever le filtre à l'intérieur de votre réservoir. On a enlevé le filtre AquaClean. Maintenant, on va pouvoir remplir le réservoir avec la bouteille de détartrant. Donc là, on va la vider entièrement à l'intérieur. Et ensuite, on va rajouter de l'eau jusqu'au trait de détartrage. Je vais vous montrer. Le détartrant est mis. Maintenant, sur le côté, vous allez voir, il y a deux traits. Il y a un trait ici pour le volume maximum d'eau et un autre en dessous qui nous indique la limite pour le produit détartrant. On l'a mis à l'intérieur. Ensuite, on va remplir le reste du réservoir jusqu'à cette limite avec de l'eau. Maintenant que vous avez rempli votre réservoir avec le produit détartrant et avec l'eau jusqu'à la limite, on va le replacer dans la machine. Vous mettez votre récipient dessous. Maintenant que c'est prêt, on va pouvoir lancer le cycle de détartrage. Alors pour le détartrage, il y a deux étapes. La première, ça va être le détartrage en lui-même qui va durer entre 20 et 25 minutes. Et ensuite, on aura une phase de rinçage. Pour faire passer la machine en mode détartrage, on va appuyer sur le bouton calque et clean pendant 3 secondes. Au bout de 3 secondes, le bouton est éclairé. Et ici, le bouton de départ clignote. Ça veut dire que c'est tout bon pour partir. On a juste à appuyer là-dessus et ensuite la machine va s'occuper de tout. Pendant le détartrage, la machine va toutes les minutes environ faire couler de l'eau avec la solution de détartrage via la buse de demande d'eau chaude et aussi pour la buse à café. Donc si votre machine s'arrête pendant un moment, c'est normal. Vous voyez, ça va de repartir. Ça va faire ça pendant un petit moment jusqu'à ce que le réservoir soit entièrement vidé.
Et voilà, c'est fini. Au bout de 20 minutes, il n'y a plus d'eau. Le voyant ici, donc de l'eau clignote. On va aller vider le réservoir ici qui est bien plein. On va aussi vider, rincer le réservoir d'eau, le remplir à nouveau avec de l'eau claire jusqu'au même trait que tout à l'heure et le remettre à l'intérieur de la machine. Le réservoir d'eau ici est rincé et rempli. On va le remettre à l'intérieur de la machine, replacer le récipient au même endroit. Et ensuite, vous allez appuyer à nouveau ici sur le bouton de démarrage. Cette étape est beaucoup plus rapide, quelques minutes seulement. C'est le rinçage de l'ensemble des circuits pour enlever le produit d'étartement. Le cycle de rinçage est terminé, il ne nous reste plus qu'à aller vider le récipient, remplir le réservoir d'eau et la machine est prête à être utilisée. Maintenant que le détartrage est terminé, on va pouvoir s'intéresser au dégraissage de la machine. Pour le dégraissage, on va mettre une pastille qui va donc enlever la graisse à l'intérieur ici de la trappe à moulu. Elle va tomber directement dans le bloc d'infusion et avec l'eau ensuite elle va se dissoudre et elle va permettre de nettoyer l'huile rance, les résidus de café qui sont sur le groupe d'infusion. Pour cette partie, il vous faudra donc une pastille de dégraissage. Vous en avez de la marque Seiko Philips, vous en avez de différentes marques. Ici j'ai la marque Cafisa, c'est vraiment la marque classique pour tout ce qui est produit d'entretien des machines espresso et des machines automatiques. On va prendre donc une pastille et on va venir la mettre à l'intérieur ici de la trappe à moulu. On referme. Ensuite, vous voulez placer un récipient ici sous la buse d'écoulement du café et je vais vous montrer comment on va lancer le programme. Ok, j'ai mon récipient, on va le placer là et ensuite on va sélectionner donc les cafés, pas l'expresso mais les cafés pour avoir plus d'écoulement. Et ensuite, sur l'intensité de votre café, vous allez garder le bouton appuyé pour passer en mode moulu. Une fois que la machine est passée en mode café moulu, on sélectionne ici le niveau d'eau, donc je l'ai mis sur 3, et vous appuyez sur démarrer pour lancer un café. Vous allez voir, la solution qui va couler ici est un peu mousseuse, assez blanche, c'est normal. On peut le refaire plusieurs fois s'il faut, je vous montre. Pour le dégraissage, vous avez deux options. Là, j'ai fait au plus rapide, mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est de lancer un café et ensuite, à peu près à mi-parcours, vous débranchez la machine, vous attendez 10 à 15 minutes que le produit fasse complètement son effet à l'intérieur et ensuite, vous rebranchez la machine et vous relancez un autre café pour finir le rinçage. Ce que j'ai fait moi ici, donc, c'est que j'ai lancé un seul café, j'ai attendu qu'il soit terminé, je vais en lancer un deuxième et ensuite, une fois que tout est fini, vous pouvez sortir le bloc d'infusion, aller le passer sous l'eau pour être sûr d'enlever tout le produit dégraissant, le remettre et là, votre machine sera parfaite. Maintenant, deuxième café pour finir le rinçage. Le deuxième café de rinçage est terminé. D'ailleurs, on peut voir ici la couleur à l'intérieur. Si vous n'avez jamais effectué de dégraissage et que vous avez beaucoup utilisé votre machine, parce que celle-là en fait a été assez peu utilisée, vous allez être surpris de la couleur de l'eau que vous allez avoir dans votre récipient. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rincer le bloc d'infusion, le remettre à l'intérieur et la machine sera bonne à être utilisée. Il ne nous reste plus qu'à réinstaller le filtre AquaClean et on va pouvoir recommencer à se faire des cafés avec notre Philips 2200. Si vous suivez toutes ces étapes, vous mettez toutes les chances de votre côté pour déjà avoir un bon café et aussi pour espérer que votre machine puisse durer des années et des années sans aucun problème. Si vous avez d'autres astuces d'entretien, de nettoyage, n'hésitez pas à aller les mettre en commentaire. Je réponds et je regarde tous les commentaires autant que possible. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, si vous l'avez trouvé utile, alors allez mettre un petit pouce levé en bas, abonnez-vous. C'est deux petites actions qui vraiment peuvent aider la chaîne à grossir, à m'aider moi pour faire plus de vidéos et pour aider le plus de gens possible à toujours faire un bon café. Moi, je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Ciao.